Parce que, comme nous le savons, le mariage entre deux personnes est caractérisé de trois étapes. Il y a ce soir deux cœurs qui se rencontrent, deux âmes qui s'accordent et deux personnes qui se disent oui. Là, il s'agit de notre sœur bien-aimée, Bijou Mbutu, et notre frère, le berger Guigui Louindoula. Je voudrais vous inviter à m'offrir un applaudissement énergétique pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je m'en vais inviter les deux familles, notamment la famille de notre sœur Bijou Mbutu et celle de notre frère, le berger Guigui Louindoula, à aller rejoindre les mariés pour les accompagner triomphalement dans cette salle. Chère famille, s'il vous plaît, veuillez rejoindre les mariés. Comme vous le savez, quand je parlais des étapes, on fait allusion au mariage traditionnel que nous appelons mariage coutumier. Ça, c'est la première étape du mariage. Et étant donné que les deux familles de notre frère et notre soeur sont majoritairement représentées au Congo, je voudrais fixer l'opinion sur le fait que l'étape que nous commémorons ici ou que nous célébrons ici a déjà commencé au pays. J'ai cité la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que la dot a déjà été remise et ce soir nous allons assister à une cérémonie à travers laquelle les deux vont s'exprimer leur consentement devant la représentation des familles ici. Alors, pendant que nous attendons les rentrées, je vais demander au DJ de nous balancer un morceau de musique. Voir chaleureusement les mariés accompagnés de leurs familles respectives. Je veux inviter les familles à accompagner les mariés dans la salle. Chères familles, s'il vous plaît. Et pendant que les mariés entrent, nous allons nous tenir debout pour leur témoigner de tout notre respect et tout l'honneur qu'ils méritent en ces jours qui leur appartiennent. Un peu d'applaudissement pour leur partager notre joie, s'il vous plaît.
Madame des Dieux, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Eh bien, pour continuer, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors nous saurions continuer cette œuvre ce soir avant de pouvoir la consacrer à l'Éternel. C'est ainsi que je voudrais inviter le serviteur de Dieu, le révérend pasteur fidèle, pour une prière d'ouverture. Prions. Éternel notre Dieu, au commencement c'est toi, à la fin c'est toi. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te recommander cette séance, afin que tu commences avec nous et que tu achèves avec nous. Comme tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons que ta présence règne en ces lieux et que, Seigneur, tu sois et que tu restes le fondement de ce processus de mariage entre ton serviteur Guigui et ta servante Bijou. Bénis tout homme, toute femme, tout enfant, Père, car c'est toi qui as dit: pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ils ont obéi à ta parole, ils sont venus, Père, pour soutenir ce nouveau couple dans leur processus pour le mariage. Nous te louons, ô notre Dieu, parce que toi tu as dit: le jour où le père de la fille prend connaissance du projet de sa fille avec un garçon, si le père ne dit rien, la fille restera liée. Mais si le père dit non, la fille sera dégagée de cet engagement. Aujourd'hui, ô notre Dieu, le père de Bijou a déjà reçu la dot et nous voici, Père, à tes pieds, afin que cette cérémonie qui montre que les parents de Bijou et les parents de Guigui sont d'accord soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis toutes choses du début à la fin et règne à jamais. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Eh bien, merci encore une fois, Papa Fidèle, pour la prière d'ouverture. Je vais inviter les mariés, les parents, à s'asseoir. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui connaissent quand même les mariés, mais il y en a aussi d'autres qui ne les connaissent pas bien ou pas du tout. C'est ainsi que, avant de passer à toute autre chose, j'aimerais présenter brièvement les mariés et ensuite leur famille. Et comme la personne qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est notre sœur Bijou Mbutu, je m'avais l'invité avec tout honneur et tout le respect que je lui dois à s'élever pour que je puisse la présenter à vous tous. Voilà comment elle est belle, elle est la plus belle. Et je sais qu'il y en a d'entre nous qui connaissent juste le prénom, elle s'appelle Bijou. Mais si je pose la question ici, même à ceux qui sont supposés la connaître, doit avoir une certaine bonne connaissance d'elle. Certains vont se faire. C'est pourquoi je me donne ce devoir de vous la présenter. Elle s'appelle
Bijou Mbutu, elle est issue d'une famille de 8 enfants, dont elle est 7e. Donc elle est presque cadette. Et je ne sais pas si elle reflète aussi toutes les attitudes des cadettes ou des pré-cadettes. Alors là, je sais que notre frère va se disposer à supporter si caprice il y en a, parce que les cadettes et les presque cadettes là sont souvent capricieuses, mais elles sont aussi très aimables, comme je sais. Alors, elle est 7e, et puis elle est d'une famille très équilibrée en termes de genre. Sur le 8, il y a 4 garçons et 4 filles. Donc, vous comprenez l'équilibre. Et puis, c'est parce que aujourd'hui sa famille est représentée par les couples, les fils Nilou, que j'invite à se tenir debout, moi, donc, docteur les fils et maman Niclette Ebengo. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Donc, merci notre soeur Bijou, merci pour le temps que vous nous avez accordé pour vous présenter. Et après ça, je vais inviter notre cher frère, le berger Guigui Luindula, à se tenir debout avec tout le respect que je lui dois aussi, pour une brève présentation. Il est très beau, comme vous le voyez, il est toujours souriant. Depuis que je l'ai connu, je ne l'ai jamais vu fâché. Ça, c'est vraiment un témoignage sincère que je fais. Donc, je n'ai jamais vu le berger Guigui fâché. Donc, ça, c'est vraiment un témoignage qui vient de mon cœur. Bon. Oui. Bon. Ah oui, il est aussi issu d'une famille de 7. Mais cette fois, il est 2e. Donc, j'ai décelé là une ironie terrible. Donc, un 2e qui épouse l'avant-dernière. Donc, vous comprenez, je sais que c'est un plan de Dieu. Et je vois déjà dans ces couples beaucoup d'équilibre. Parce que les aînés ont souvent le sens des responsabilités. Et ils sont moins capricieux et très disposés à supporter les caprices des plus jeunes. Donc, cette coïncidence-là, je sais que c'est un jeu de Dieu. Donc, il est issu d'une famille de 7, et il est deuxième, comme je viens de le dire. Et ce soir, donc, nous avons comme représentant de sa famille son oncle paternel, papa Emmanuel Lumbaziladio, qui est accompagné de maman Philo Lumbaziladio, que j'invite avec beaucoup d'honneur et de respect à se tenir debout pour saluer. Merci beaucoup d'avoir procréé ces beaux garçons qui deviennent aujourd'hui l'époux donc, de notre chère sœur Bijou. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à l'autre étape qui a été prévue. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est le mariage coutumier, comme nous l'appelons. Et papa a dit pendant la prière que les parents se sont déjà rencontrés. Les parents de notre sœur ont déjà dit oui, ils ont déjà reçu la dot. Mais il faut quand même que cela soit aussi exprimé par une petite cérémonie de consentement. Parce que généralement, si nous étions ensemble avec les deux familles qui se sont rencontrées au pays, on allait assister à toute cette cérémonie-là où il y a toutes les étapes. Donc moi, je vais maintenant passer la parole aux familles avant de continuer. Nous allons donner la parole aux deux familles pour cette étape-là, pour que tout le monde soit quand même témoin de cet engagement que notre frère et notre soeur sont en train de prendre, l'engagement qui a été déjà approuvé par les deux familles. Et ça ne sera qu'un geste de confirmation de tout ce qui a été fait.
Alors, je m'en vais inviter la famille des mamans Bijou, papa les fils et maman Nicolette. Bonsoir. Merci à vous tous ici présents, chers invités. Merci d'avoir abandonné toutes vos occupations pour venir réussir votre présence à cette manifestation. Au nom de la famille Michel Voula, donc nous sommes sincèrement élus, sincèrement contents de célébrer aujourd'hui le mariage que vous venez de faire en jeu. Parce que comme nous le savons très bien, par les temps qui courent, ce n'est pas du quotidien de donner sa fille en mariage. Et nous, aujourd'hui, nous sommes bénis de donner notre sœur du jour en mariage. Moi, j'ai la voix resplendissante, très belle. On pouvait que vous êtes hébergé. Et en dehors de ça, je suis surpris d'abord parce que moi, je connais Papa Guigui comme mon berger. Papa Guigui est mon berger. Papa Guigui a toujours été mon berger. Même si aujourd'hui, les mêmes papas vont dire, c'est toujours papa berger. Ça ne changera pas. Alors, j'ai amené ma sœur Bijou à l'église pour rencontrer le Seigneur. Mais au-delà des rencontres, de sa rencontre avec Dieu, il a rencontré son amour. Amen. Pour cela, franchement, nous sommes tellement bénis et nous pouvons les applaudir une fois de plus. Maman Bijou, je vous vois à côté de Papa Guigui. Certes, aujourd'hui, à Kinshasa, la famille a réussi la dot. Mais néanmoins, nous voulons être rassurés. Si réellement tu es là, en tant que, pas en tant que fille du berger, mais réellement en tant qu'épouse du berger, nous voulons que symboliquement, tu puisses donner à boire, servir un verre de vin à Papa Berger, pour que nous aussi, ici présents, nous puissions être actés aussi. Hein, c'est acte de mariage. Dormir sur nos oreillers, pour dire que réellement c'est l'homme que Bijou a choisi, c'est lui qui nous présente aux enfants. Donc, une fois de plus, nous vous disons merci et puis nous serons la parole à Papa Gaston. Merci beaucoup à la famille de Maman Bijou. Je vous invite à regagner vos places et avant aussi de passer à autre chose, pour vous donner d'abord la parole à la famille de frère notre berger Guigui pour attester aussi ou bien acter cette cérémonie de mariage coutumier. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Au nom des mariés, je vous souhaite une bienvenue. En fait, un bienvenue parmi nous. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour pouvoir honorer cet événement heureux, le mariage de mon neveu Guigui avec notre sœur Bijou. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens à souhaiter personnellement la bienvenue à Bijou dans notre famille. Et la raison en est bien simple, c'est que moi, je ne fais que deux garçons. J'ai trois garçons ici présents. Alors, Bijou, c'est comme ma première fille. Alors, je la souhaite bienvenue. Ça, je tiens vraiment à les remercier davantage et puis elle est la bienvenue chez nous. En tout cas, on l'a réussi à Noël, on s'est déjà vu deux fois. Et bon, j'étais très très content, en tout cas même pour mon neveu aussi. Donc, je ne pensais pas que je pouvais vivre un moment comme ça, mais j'en remercie le Seigneur fortement. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Avant de continuer, on va présenter les parrains. D'aucuns le savent qu'il s'agit de notre père, le révérend pasteur Fidèle, que je me donne l'honneur de présenter ce soir avec maman Chantal. Papa Fidèle
C'est comme, je veux dire, c'est l'étoile que l'Éternel a levée en Amérique du Nord, particulièrement au Canada où nous nous trouvons, pour susciter quelque chose de merveilleux. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Papa fidèle Mangafu a évolué au Congo, en République démocratique du Congo, pendant longtemps comme serviteur de Dieu dans la grande église que beaucoup d'entre nous connaissent, au nom de la louange. Il a servi tellement longtemps là-bas qu'il ne s'imaginait pas de se retrouver un jour au Canada pour continuer cette œuvre de Dieu-là autrement. Je suis parmi les gens qui ont eu la grâce de le rencontrer peu après son arrivée au Canada, et je l'avais déjà rencontré au Congo. Je sais que, en ce jour, je crois que Dieu me préparait à venir vivre avec lui au Canada. Donc, il a connu notre frère qui est aujourd'hui le berger Guigui depuis le Congo. Ils ont servi Dieu au sein de la même église et par concours de circonstances, ils se sont retrouvés encore ici au Canada. Je me rappelle que le pasteur fidèle nous disait que quand il était arrivé au Canada, son intention était de rester comme membre dans une église. Mais Dieu lui a dit, le travail que je t'ai donné, ton quart de travail n'est pas encore terminé. Et j'ai même des heures supplémentaires pour toi. C'est comme ça que il a pris l'initiative, après avoir écouté la voix de Dieu, de faire quelque chose parce que Dieu le lui demandait, ici au Canada. Et aujourd'hui, il existe dans la rive sud du fleuve Saint-Laurent, ce qui s'appelle Centre chrétien L'Ombre de l'Éternel, dont je suis membre, dont beaucoup d'entre nous sont membres aujourd'hui. Pour cela, vraiment, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toute la salle d'applaudir fortement pour la gloire de Dieu. Parce que moi, je me suis déjà posé la question. Ma femme s'est posé aussi la même question, elle me l'a posée. Mais si Papa Fidèle n'était pas arrivé au Canada, s'il n'avait pas commencé cette œuvre de Dieu qui s'appelle Centre chrétien L'Ombre de l'Éternel, où est-ce que nous irions prier? J'ai dit à ma femme, ne te pose pas une telle question. Quand on était plus jeune, on disait qu'il y a des questions dont il ne faut pas se poser, vous allez devenir fou. Dieu a prévu ça. Donc, Papa Fidèle ne pourrait pas ne pas arriver au Canada. C'était dans le plan de Dieu. Amen. C'est pour dire aussi que ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, cet événement était aussi dans le plan de Dieu. Amen. Depuis la nuit des temps. Amen. Dieu connaissait le berger Guigui, Dieu connaissait la sœur Bijou, et il savait qu'en cette date spécifique, ils allaient se marier. C'est pourquoi je vous demande, si vraiment possible, nous pouvons encore applaudir maintenant pour la gloire. Merci beaucoup. Donc, c'est là le pasteur fidèle qui est aussi le parrain de Berger Guigui. Et puis, avec Maman Chantal et sa charmante épouse qui est toujours souriante, très gentille et une très bonne maman depuis que je l'ai connue au Congo. Alors, c'est cette façon-là que moi je peux les présenter. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont gagnées, beaucoup de cœurs sont convertis à cause du travail que le Seigneur, l'Éternel lui a confié. Et c'est aussi à travers ce travail-là que nous avons la grâce de nous retrouver aujourd'hui ici comme une même famille, donc avec toute cette joie que nous partageons. Alors c'est de cette façon-là que moi je peux présenter le pasteur fidèle qui est aussi l'encadreur direct de notre frère Berger Guigui. Donc, merci beaucoup. Et je vous demande à la cuisine de s'apprêter pour commencer à nous servir. Et
Nous allons commencer par les mariés, ensuite les parrains, la famille. Les deux familles de mariés vont suivre et après nous allons continuer avec les autres. Et voilà. Et voilà.
Thank you.
Thank you.
Jésus. Enfant de Jésus. Enfant de Jésus. Mon cher enfant de Jésus. Notre corps de l'ensemble est Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.